The Banlieue Project is a platform for residents of France's disadvantaged suburbs to tell their own stories. We provide the camera, and they film their experiences to break down clichés about the French banlieue. Cette semaine, nous vous parlons d'une success story, celle d'un petit club de futsal à Strasbourg, aujourd'hui en deuxième division. Avec son ascension, le club de Noap a suscité l'engouement des habitants du quartier. Filles et garçons, tous joueurs ou supporters. Non, moi, que des guerriers, des soldats. On est là. On marche, moi. T'inquiète, on est là. On est au Fabi. Dembélé qui s'est attrapé. Sissoko, Dembélé qui décale. Joachim, ma qualité, pied gauche, ça frappe et on demande rien de plus. Moi c'est le but de Ariel, gardien du néo-futsal. Ici Soso, John, Alan, on l'a fait tourner, on court pas. Ok. Tranquille. Ok. Alors d'un Klein, 41 buts. On est au futsal, on est ensemble. Kenny Tanavan lives in Nuoff, a suburb of Strasbourg with 20,000 inhabitants. 30% of them are under the age of 15. At just 25 years old, he's now the widely admired president of the local futsal club. Depuis quand t'es président du club? Depuis 2016. Moi, j'étais un simple joueur et le club a fermé en 2015. Du coup, en 2016, avec un ami, on a décidé de reprendre l'équipe. On voulait juste rejouer au futsal. Ouais. C'est parti d'un délire. On a rappelé les anciens. On a appelé quelques jeunes et on s'est retrouvé à être champion d'Alsace au bout d'un an. Et t'étais étonné de ce résultat ou pas? Choqué, hein. C'était un délire. Donc ça anime le quartier? Ça anime le quartier. Quand je vois tous les jeunes qui viennent à l'entraînement ou qui demandent à ce qu'on leur ouvre le gymnase, pour moi c'est une réussite parce que ça leur permet de ne pas traîner dehors. Comme j'ai dit, j'ai refait le club. Pourquoi? Parce que c'était mort. Il n'y avait plus de futsal, il n'y avait plus de gymnase, ouais. Il n'y avait plus de foot en salle, il n'y avait rien. Maintenant, on se retrouve en D2, on a des gradins, c'est rempli à chaque match. Ouais. Il y a plus de 250-300 personnes. L'idée de former une équipe féminine, etc., ça vient de toi aussi? Ouais, ça vient de l'ensemble du club. Ouais. C'est une demande, c'est une forte demande. C'est parfait. Et ça marche? Il y a des filles qui viennent jouer? Mais oui, on est arrivé deuxième au championnat d'Alsace. Au Neuf, on a toujours eu des bons joueurs. Ouais. Sans prétention, on a toujours eu des bons joueurs. Et tu penses que le futsal est plus accessible aux gens que le foot normal? Le futsal, c'est autre chose carrément. Pour moi, c'est un autre sport. Faut pas être cardiaque. C'est du 5 contre 5 et ça va trop vite. Est-ce que tu as une logique de recrutement? Est-ce que tu vas chercher toi-même les jeunes? Non, au niveau national, principalement 90% des joueurs habitent au Neuf. Mais... Par exemple, là, cette année, on a deux mecs du Haut-Rhin. D'accord. Et... Donc, tu vas au-delà du Neuf? Je vais au-delà du Neuf, ouais. Je mourrai tout, je casse les barrières. Et t'imagines un jour, par exemple, que ça serait le club du Neuf sans joueurs du Neuf? Non, impossible. Il y aura toujours une ADN Neuf. Ismaël and Jamila are fervent supporters. He's an amateur player and films all the club's adventures. And she was drawn to the sport thanks to the passion of her kids. Et c'était important que ce soit quelqu'un du quartier qui reprenne le club du quartier. C'était comme un symbole. On peut dire que c'est fait pour le futsal, pour le néo-futsal, mais par le néo-futsal aussi, par les néo-fois. Qu'est-ce que ça a changé dans le quartier, l'ascension de ce club? Des activités, il y en a. Par contre, au sein même du quartier, le fait d'avoir un lieu où tout le monde puisse se donner rendez-vous ou qu'il puisse avoir ces moments-là de folie, ça a changé une ambiance. Moi, j'y suis pas allée au premier match, hein, parce que voilà, ça restait pour moi du foot. Mais j'ai commencé à aller au futsal vraiment quand j'ai vu que tout le quartier en parlait. Et après, je suis devenue accro. Toi, avec tes potes, vous allez aussi régulièrement aux matchs et aux entraînements?
Les matchs, on y va, que ce soit l'équipe 1 qui joue, l'équipe 2, même les féminines et les moins de 18 ans. Il y a du spectacle partout. Il y a du respect, il y a de la joie. Et du coup, moi, je ramène mes enfants parce que j'estime que c'est un lieu approprié pour eux. Et eux, maintenant, sont demandeurs. Ils demandent à aller au match. Non, mais mon emploi du temps s'adapte au futsal. Et vous pensez que le fait que tout le quartier, comme ça, soit derrière l'équipe du 9, ça les aide, ça les porte? C'est comme on dit, c'est le sixième homme. On n'est pas cinq sur le terrain, mais on est cinq plus tous les supporters. Ils perdent et ils s'en vont. Juste le fait de chanter en chœur, d'avoir des hymnes à nous, ça donne un second souffle. Je me retrouve à chanter, des fois me dire... On est tellement dans l'euphorie du truc que là, je me dis, ah, ils m'ont eu. C'est à la fois une expérience sportive et une expérience humaine. Tout le monde a appris quelque chose dans ce club. Tout le monde a grandi.